tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avec ce beau soleil et ma fille, nous avons décidé d'aller se promener et nous sommes allés à Albi parce qu'on avait des choses à faire et puis en même temps on s'est arrêté à Action et Chinoise. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. On s'est repris du double face parce que comme elles se sont mis un petit peu à faire un peu de scrap, je veux dire que ça part vite et c'est vrai que pour le prix, bon même s'il n'est pas top, voilà, j'ai repris ceci. J'ai repris deux mousses 3D. Voilà, vous les connaissez de toute façon. J'ai enfin retrouvé de la colle. Alors celle-ci, je l'avais trouvée hier à l'Onaglet parce que j'avais un rendez-vous. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Elle est très bien. Mais alors elle a une odeur, je ne vous dis pas. Mais je pense que vous la connaissez. Donc d'ici, j'en ai pris trois. Et cet après-midi, j'ai enfin trouvé la Takigu. Moi, je l'aime bien. Donc du coup, j'en ai pris quatre. Comme ça, au moins, ça me fait le stock parce que j'avais plus de colle en fait. Ensuite, j'ai un stock de fleurs. Voilà, de fleurs. Que je pense que c'est ce style de fleurs. Que je ne me sers pas du tout parce que je trouve qu'elles sont trop grosses. Donc, je pense que sur Facebook, je vais les mettre en vente. Je vais d'abord trier parce que j'en ai beaucoup. Et je me sers beaucoup plus des plus petites que des grandes. Donc c'est vrai que j'ai une grande caisse. Alors je vais voir, peut-être que Joël sera intéressé. Mais je pense que je vais les mettre sur Facebook. Je vous mettrai mon Facebook en barre de tâches si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc comme je ne me sers plus pas des grandes mais des petites, je me suis acheté celle-ci que vous devez connaître. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant, je me dis oui, tu vas en prendre, tu vas en prendre. Et puis je me dis, maman. Avec tout ce que tu as, quoi. Et puis en fait, j'ai que des grosses. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci aussi qui sont dans le rose. Alors, celle-ci, je les adore. Voilà. Donc, je vais garder les boîtes, en fait, pour mettre des découpes. Parce qu'elles sont en plastique. Elles s'ouvrent facilement. Donc, je pense que voilà, je vais les garder pour mettre des découpes ou quelque chose comme ça. Système D, voilà, je trouve que c'est sympa. Excusez-moi pour le téléphone. Et ensuite, j'ai trouvé celle-ci aussi. Alors, je pense qu'il m'en manque parce que la boîte était ouverte, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et j'ai pris celle-ci. Alors, toujours pareil, moi je traîne, je regarde, je prends, je repose. Et puis, en fait, bon, je les ai prises. C'est ces petites roses que vous connaissez aussi. Elles sont rouges, mais un rouge vif. Hein. On les voit orange, mais elles sont rouges. Ensuite, j'ai trouvé chez Cultura cette planche à tampons que j'avais loupé, que je m'étais loupée en fait. Alors j'ai un reflet, je ne sais pas pourquoi. C'est une planche de chez Toga. Alors il y a un moment magique, bonheur partagé. Aimer, prendre le temps, profiter de chaque instant. Il était une fois, jour après jour, un océan pardon, de douceur, croire à ses rêves, instant choisi, souvenir de famille. Alors c'est vrai que ce tampon, je l'avais vu dans des vidéos et je le trouve super joli quoi, en fait. De chez Toga, voilà, chez Cultura, vous l'avez. Après, chez Facebook, alors je ne me souviens plus les noms, je suis désolée. Je me suis fait un petit plaisir. C'est une dame c'est des dames qui vendent des choses de chez Noz qu'elles ne se servent plus. Donc je me suis trouvé ce petit personnage. Voilà, sur Facebook. J'adore. Je me suis trouvé. Alors, je vous montre. Parce que je l'ai mise là parce qu'on me. La poche est un peu trouée avec les dies. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. J'adore. J'adore le petit lapin, le petit cerf là. Alors, il y a les dies dedans. Il y a des mots ici. Voilà, j'adore. C'est super. Pourtant, c'est pas trop mon truc, toutes ces choses-là. Mais bon, j'ai bien aimé. Ensuite, je me suis acheté ceci. Bon, c'est sympa parce que la dame elle m'a laissé la pochette en fait.
Elle aurait pu garder la pochette, voyez, en plastique, mais non, elle me l'a donnée. Et c'est en fait des... vous avez un stylo. Je m'excuse pour le reflet, mais je ne sais pas comment me mettre. Vous avez des petites règles, un trombone, une petite pince ici, un taille crayon ici, un crayon à papier, un stylo, un trombone. Enfin voilà, j'ai trouvé ça adorable parce que je vous dis, elle aurait pu garder ceci et m'envoyer. Mais bon, c'est quand même assez. Voilà, c'est très gentil. Après, voilà, il faut vraiment tomber dessus parce que ça part très très vite ces choses-là. Et souvent, moi, quand je regarde, de toute façon, mais c'est déjà parti. Et après, je me suis pris... Alors, je sais qu'il existe le Dyes chez AliExpress. Ceci. Alors, excusez-moi, avec le reflet. C'est la cheminée. Avec le petit chausson. Enfin, c'est pour faire un décor, en fait. Mais j'ai vu passer le Dyes. Là, je ne le retrouve pas. Mais je sais qu'il y est. Et ça, elle a payé 1,99€. Je pense que c'est le prix qu'elle me l'a fait. Voilà, ensuite on va passer au produit. Je fais des tests et mes filles prennent ceci qu'elles mettent sur le nez et qu'elles se mettent aussi sur le menton quand elles ont des boutons pour se nettoyer la peau. Il s'avère qu'elles regardent aussi des vidéos sur YouTube et elles rêvent d'avoir ces masques en goudron. Le problème, c'est que quand j'ai vu ces vidéos où c'est qu'elles vraiment s'arrachent la peau pour se l'enlever, j'ai dit non, il est hors de question. Et il s'avère que chez Noz, ils font ces styles de crème. Et je suis tombée sur une personne, une gamine, qui m'a expliqué que ces trois masques qui étaient là-haut, ils étaient pas mal, mais que quand même, c'est vrai que ça tire un peu, mais qu'ils ont l'air pas mal. Bon, moi, j'ai pas insisté, mais par contre, j'ai vu qu'ils avaient sorti la même chose pour le nez, voire le menton. Donc, j'ai dit qu'on va d'abord essayer avec ça. Et après cela marche très bien. Moi, je vous dis, franchement, c'est vraiment efficace. Donc, j'ai dit, je vais essayer de... Donc, c'est au goudron et on va les essayer. Je vais vous montrer comment c'est. Ah, mais c'est fermé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est quand même des choses qui sont plus ou moins stériles. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Et donc, vous le mettez soit sur le nez ou soit sur le menton. Vous le laissez poser un quart d'heure et puis après vous en retirez, vous voyez toutes les impuretés. Donc ceci, comme j'en fais une consommation vraiment avec deux, avec les jumelles, donc ça va très vite. J'en ai pris 6 ou 7. Donc ça ne fait que 3 chacune, hein, sachant qu'il y a 6 paquets dedans, ça va vite. Et là, j'en ai pris que 2 pour qu'elle puisse essayer. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors ça, ça marche très bien. Je vous dis pour les personnes qui ont des petits boutons. Si vous avez un petit bouton qui vous fait mal, vous le mettez dessus. Alors, soit ça le sèche, soit carrément quand vous enlevez cette petite pastille. On dirait une petite pastille de silicone, en fait. Mais toute petite, vous avez des petites et des grandes tailles. Et en fait, alors soit ça sèche le bouton, ou soit carrément ça vous l'enlève. Et c'est vraiment nickel. Hein. Bon, celui-là, il était rose scotché. Je ne vais pas arriver à vous l'ouvrir. J'ai pas de ciseaux là, en plus. Oh, attendez. Moi. Voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est des petites pastilles. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et vraiment, c'est vraiment efficace. Donc, si vous avez des ados, ça marche très bien. Franchement, je vous remontre. Alors là, il était hyper scotché. Je pense que c'est quelque chose que... Le problème de chez Action, c'est que soit c'est toujours ouvert, les choses. Voilà. Et il y en a 36. Ensuite, j'ai trouvé en fait, moi j'adore l'argile, et c'est vrai que c'est hyper cher, hein, quand j'ai regardé le prix à Leclerc, c'est entre les 4 et 5 euros. Et j'ai trouvé celle-ci, alors celle-ci c'est pour une peau normale, voilà, qui était même pas à 2 euros. Voilà, donc là c'est pareil, hein. Je vais vous montrer, c'est de l'argile verte, moi je préfère l'argile blanche, mais bon... voilà. Elles sont bon, ça va. Alors, il faut faire attention parce que des fois, il n'y a pas le cache. Et vous avez même les traces de doigts dedans, vous savez. Truc super intelligent. Et après, vous avez la marron. Alors, la marron, c'est vraiment pour enlever les impuretés. Il faut les laisser poser. Je pense qu'il faut alterner les deux masques. Il sent super bon, celui-là. L'autre, il est un peu plus fort. Mais alors, des fois, vous avez les traces de doigts dedans. Vous savez, le truc...
J'y mets l'empreinte, manière de. Je pense qu'il faut alterner à peu près à chaque fois pour les masques. Parce que j'ai des filles qui sont très gnognotes. Et avec ceci, évidemment, je me suis acheté, et j'ai voulu l'essayer, le gel à base de bave d'escargot. Voilà. Alors, ça vaut hyper cher d'habitude. Là, je les ai payés 1,89. Alors là, c'est pareil, faites attention parce que souvent, vous n'avez plus le capuchon et vous avez les doigts dedans. Alors, ça sent super bon, par contre. Et c'est un genre de gel. Ça sent super bon, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, c'est un genre de gel. C'est hyper doux, ça sent super bon. Donc j'en ai pris deux, vu qu'on est trois, pour l'essayer. Il faut les mettre une fois que votre masque a été fait, que votre peau est bien, bien nettoyée. Vous les mettez et c'est vrai qu'on est un peu... on se dit, ah ouais, ben, de la bave d'escargot. Mais en fait, paraît-il que c'est hyper, hyper efficace. Donc voilà pour les produits d'hygiène. Ensuite, j'ai mon chat, je ne sais pas ce qu'il lui prend, qui m'a fait pipi sur mon canapé. Donc j'étais super ravie, n'est-ce pas? Il y a 3 semaines de ça, il a fait pipi sur le lit de ma fille, qui elle est devenue interne. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est devenue interne, vu que son lycée est très loin, qu'il est fâché? Mais bon, ça m'a un petit peu fatiguée. Donc en cherchant un petit peu, j'ai trouvé ceci. C'est un répulsif chat. Alors, je vous avertis, si vous avez des démons dans la maison, ça marche très bien parce que ça sent l'ail, mais à gogo. Hein. Vraiment, on a l'impression d'avoir fait je ne sais pas quoi avec de l'ail. C'est des petites graines, mais ça sent. Il y a 2 sachets dedans, mais ça sent vraiment, vraiment l'ail. D'ailleurs, quand j'ai eu ma maman au téléphone, je lui ai dit j'ai pas intérêt d'avoir des démons à la maison parce que. Si vous n'avez pas vu le film L'Exorciste, je suis sûre qu'avec ça, ça... Donc apparemment, au bout de 2 semaines, eh bien, le chat, et c'est vrai que Charlie, mon chat, n'a pas du tout aimé hier soir de venir avec moi sur le canapé, parce que dès que je monte sur le canapé, hop, il vient avec moi. Mais là, je pense que et j'espère qu'il ne fera plus pipi. Donc c'est quand même naturel, les ingrédients sont naturels. Ça y est marqué sur la boîte, là. Mais ça sent vraiment l'ail, je veux dire. Alors, je sais pas si c'est nos termes français. Les ingrédients. Alors il faudrait prendre les granules fréquemment pour que les chats ne viennent pas 2 fois dans la semaine. Donc c'est 5 mg, donc une cuillère à café pour combien de par mètre cube. Alors est-ce qu'il y a marqué huile essentielle, contient des huiles essentielles, après c'est tout ce qui est marqué. Mais bon, si ça marche, je suis super contente, hein, on verra bien. Donc j'en ai mis parce que j'ai des petites jardinières, comme je vous ai montré. Et en fait, ça fait litière municipale. Donc j'en ai mis dedans aussi parce que ça me fatigue, ça aussi. Et ensuite, j'ai trouvé ceci pour les chats. Alors faites attention parce qu'il y en a deux. Il y en a un, alors je ne sais plus de quelle couleur il est, c'est juste une gourmandise. Mais ça, c'est une gourmandise, mais ça empêche, si vous voulez, le chat, la formation de poils dans l'estomac. En fait, c'est formulé exactement, je vais vous le dire. Parce qu'il y a de... Alors, attendez, vous savez. Voilà, ça base de malt. Et ça aide à combattre la formation de boules de poils dans l'estomac. Alors, j'ai essayé hier quand j'en ai acheté. J'ai enlevé toutes les croquettes. Non, j'ai mélangé aux croquettes actuelles. En fait, il ne me reste que les croquettes actuelles et plus celles-ci. Donc, on va voir si ça marche. Parce que c'est vrai que c'est la maladie des chats, ça, les boules de poils dans le ventre. Donc du coup, vu que j'ai vu qu'il en aimait, mais j'en ai pris 4. Parce que chez Action, c'est ça, vous trouvez sur le moment et après, il n'y a plus rien. Donc je regarde ensuite, bon, ma fille s'est pris des sticks à lèvres, la noix de coco. Je me suis trouvé, je les ai pris à Albi parce que, comme on arrive à la fin, on n'en trouve plus. J'ai pris 6 dessous de peau parce que je plante, mais j'ai plus de dessous de peau. Je me suis trouvé aussi, voilà, cette trousse. Ah, ma fille s'est posé un iPhone pour mon travail. Voilà, il y a des poches dedans.
Il y a deux petites poches ici. Hein. Je vais plus demander à Joël qu'elle me le fasse, mais bon. Il y a deux petites poches ici et une poche qui se ferme à l'intérieur. Et ça, je l'ai trouvé, c'était 1,89. Je l'ai trouvé chez au rayon des trousses de toilette. Voilà pour Action. Ah non, pardon. Mais je ne vous le présente pas, vous le connaissez. C'est à base, c'est sur la mer en fait. Moi j'adore. Voilà. Et dès demain, je pense que je vais me mettre à faire. Ça, c'est le sable. J'ai envie de faire un album. Regardez-moi ça. Un album enveloppe en fait. Voilà. Et moi je suis très mère donc. Voilà, mais ça vous les connaissez, mais ils sont très difficiles à trouver ceux-là hein, parce que ça fait un moment que Joël les avait présentés et j'arrivais pas à tomber dessus. Et puis du coup, j'en ai pris deux parce que je pense qu'avec deux j'en aurai assez. Ça sert à rien de stocker aussi. Donc voilà pour Action. Donc je vous ai trouvé aussi cette lessive. Je vais vous en parler. Elle n'est pas très chère, elle est 1,99. Elle est super, super bien pour le blanc. Si vous avez le blanc, il détache vraiment bien. Par contre, couleur, faites attention parce que ça décolore vraiment la couleur. C'est pour ça que je vous la recommande. Elle est au Sormon de Marseille et je vous la recommande pour le linge blanc. Moi, j'ai mes filles et moi-même, on marche tout le temps pieds nus. Donc, je vous dis pas l'état de mes chaussettes. J'ai tout essayé, le Javel et tout. Mais là, celle-ci, elle est à 1,99. Il y en a 3 litres. Elle est au Sormon de Marseille et elle est géniale. Donc, si ça vous tente, eh bien, faites-vous plaisir pour pas cher. Je vous fais un petit coucou dans 2 secondes parce que là, sinon, je ne vais pas pouvoir mettre ma vidéo sur YouTube. Et on se retrouve pour un haul nose. Voilà, à tout à l'heure. Bye bye.